La French Touch s'installe sur le segment du scooter 3 roues avec le modèle 3. Un électrique équivalent 125 cm3, une première. Dernier né de la famille Excity, basée à Grasse dans les Alpes-Maritimes, le commuteur plutôt soigné a fait tilter notre essayeur. Ouais, il est excitant cet engin. Ouais, je sais, c'est facile, il s'appelle Excity, mais en fait, il est vraiment excitant parce que c'est un 3 roues certes, mais c'est pas un 3 roues comme les autres. Vous avez remarqué tout de suite, les deux roues ne sont pas à l'avant, mais à l'arrière. Et ça change énormément de choses. Déjà sur ma direction, je conserve une direction très fluide, exactement la même que sur un scooter à deux roues. On a de l'agilité, de la vivacité, d'autant plus que j'ai des roues 13 pouces sur l'engin. Et ce qui est sympa sur le train arrière avec les deux roues, ce sont les appuis que l'on va avoir en virage et à la réaccélération avec les deux roues motrices ancrées dans le sol. Je peux vous dire que c'est assez sympa, rassurant pour qui n'est pas un adepte du deux roues et excitant pour les autres parce que justement on peut ouvrir fort sur l'angle et puis c'est pas avare en sensation justement quand on commence à prendre des petits virages. D'ailleurs, je trouve plus de points communs à ce genre d'engin avec la moto que les MP3 traditionnels parce qu'il demande un petit peu de l'engagement ce scooter à 3 roues. On peut mettre un petit peu moins d'angle qu'avec un Piaggio MP3. On sent aussi que la garde-sol elle est perfectible parce que la partie avant est un petit peu basse. Sur l'angle, on trouve une stabilité supérieure à un scooter traditionnel. Ça met en confiance. Mais il faut comprendre jusqu'où le système peut angler pour pouvoir tourner en sécurité. Faut aussi rester un petit peu vigilant quand même à l'accélération et à la bonne santé des moteurs qui ont une petite tendance à vous pousser vers l'extérieur du virage hein, quand vous ouvrez en pleine courbe. Placés dans chacune des roues arrière, ces moteurs de 5000 watts assurent au modèle 3 10000 watts de puissance nominale et 14000 watts en crête. Sous la surveillance d'un BMS maison made in France lui aussi, ils sont alimentés par une batterie de 6 kWh. 90% de sa charge s'effectuerait en 3 heures. Ces moteurs électriques sont très agréables. Moi, ce que j'aime bien, c'est la gestion à la poignée. Alors, c'est pas évident à basse vitesse de trouver le petit endroit où ça déclenche, mais dès qu'on a pris 20-30 km/h et qu'on ouvre, alors c'est hyper agréable. Et on a beaucoup de répondants, dans reprise notamment. Les décollages sont pas foufou justement, le système cherche à partir plutôt de façon souple pour surprendre personne. Moi je trouve ça pas mal, ça le rend plus accessible. Bon, niveau autonomie, on a de la grosse batterie, ce qui permet au constructeur d'annoncer 100 km d'autonomie. D'après ce que j'ai roulé aujourd'hui, ce que je lui ai mis à ce petit Excity Model 3, je dirais qu'on doit se situer aux alentours de 75 km en autonomie réelle. Ça freine très très bien, il n'y a rien à dire sur ce freinage combiné qui est plutôt performant. Ça bloque un petit peu de l'arrière, mais bon, voilà. Après, la montre pneumatique, elle aussi, est rassurante, signée de notre ami Michelin. Merci Bibadom. Ouais, et puis, il est aussi super facile d'accès. Il a une selle assez basse et on se tient de façon assez droite. C'est pas du tout fatigant. Et les gars, il n'y a pas beaucoup de scooters électriques qui sont confortables et celui-là l'est. Alors, il n'y a pas énormément de débattement sur la fourche. On a des amortisseurs arrière qui n'ont pas non plus énormément de débattement, mais le système est quand même de bonne qualité et il est secondé pour mon confort par une selle que je trouve ultra moelleuse. Non, je suis vraiment bien. Il n'y a pas de bruit parasite comme on en trouve généralement sur les scooters chinois électriques un peu bas de gamme. Et là, bon, j'ai une petite option avec le pare-brise qui me permet d'avoir une protection optimale. De série, en revanche, on trouve une marche arrière très utile pour manœuvrer les 190 kg du modèle 3. Ce premier 3 roues électrique sur le marché est affiché 9 990 €, prime gouvernementale déduite. Via Excitylease, le fabricant propose toutefois des solutions de location longue durée pour les pros comme pour les particuliers.
La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les slasheurs qui domptent avec dextérité tous les rendez-vous de la journée, les centres d'entretien moto et scooter Dogbiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Dogbiker.